Bon, en tout cas, nous, on tient à remercier Julien et moi-même toutes les personnes qui nous ont aidés à commenter ce week-end, parce qu'effectivement, le live, c'est bien, mais le live, ça prend beaucoup de temps. Et le temps, on ne l'avait pas forcément, puisqu'on joue en compétition. C'est ça. Et un grand merci à toutes les personnes qui l'ont fait bénévolement et qui s'en sont très bien débrouillés. Ouais, moi, je remercie encore une fois tous les gens. Sans qui tout ça n'aurait pas jamais été possible. Tous les sponsors qui nous ont aidés à pouvoir créer le billard en images. C'est magique. Donc moi, je vous remercie. Je vous remercie aussi pour tous vos petits messages de soutien qu'on a reçus par messages privés, par mail, et plein de gens nous ont remerciés. Ouais, tout à fait. Et nous vous remercions également. On a essayé de faire de notre mieux pour essayer de commenter, rendre ces finales intéressantes. Ouais. Merci de nous avoir entre guillemets accepté. Voilà. Bon. On ne sait pas ce qui va être. On ne sait pas. Hein, on sait pas pour l'instant. C'est vrai que il y a pas mal de changements au niveau de l'association AFEBAS, ce qui fait qu'il va peut-être y avoir des bouleversements, même au niveau du billard en image, on ne sait pas trop. On vous tiendra au courant, bien évidemment, de l'évolution. Et puis, le billard en image sera toujours présent là où le billard sera. Et ce n'est pas fini, quoi. Non, ce n'est pas fini. Même si le Grand Prix termine, Marc s'engage à continuer à vous faire vivre des moments comme ça. Voilà. Voilà. Parce que vous le méritez aussi, voilà. Et les joueurs le méritent, et les gens, les passionnés comme vous, qui nous regardez, qui êtes chez vous tranquillement, vous le méritez aussi. Plutôt que de vous embêter sur vos dimanches, on essaie de vous mettre du live, et puis vous pouvez regarder les vidéos entre guillemets à la demande, sur le site, www.lebillardenimage.com. Voilà. Tout à fait. Donc là, nous allons attaquer la finale Grand Prix, donc on vous annonce l'affiche. C'est François Catalan du Chablis et l'équipe du Nord, un petit gars du Nord, face à Sylvain Lemineux du bassin rennais. Du Tiffany's. Ah. Finale arbitrée, comme nous l'avons dit tout à l'heure, par Christian Allard. Il n'y a pas de souci. Christian Allard qui va arbitrer cette finale. Voilà. Donc, bienvenue sur le billard en image. Finale de l'avant-dernier Grand Prix. Le dernier se déroulera à J1 lors de la finale des champions. Au mois de mai, François Catalan qui a gagné le toss, qui a une casse très décalée, comme vous pouvez le voir. Attaque sur la bille de tête quand même. Je pense. La deuxième bille, c'est compliqué de faire ça. Moi, je le fais sur deuxième bille. Une blanche qui ne rentre pas, qui est très bien gérée. Latéralement. Ouais, c'est bien vu. Oh là, une belle casse. Ouais, avec un petit peu de travail quand même, aussi bien sur les rouges que sur les jaunes. C'est ça. Il y a des chances qui partent rouges.